بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله ستبلي. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ستبلي. صلى الله عليه وسلم. ستبلي. محمد صلى الله عليه وسلم. C'est notre modèle unique, notre modèle ultime. Nous devons faire l'effort nécessaire de le connaître et de le prendre comme modèle ultime. Ce n'est pas des choses à dire, c'est des choses surtout à faire et à essayer de faire surtout. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs, l'humanité. On entre directement dans le vif du sujet. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, bonjour, mes frères et sœurs, l'humanité. Je reçois ce type de questions de temps à autre que je résume ainsi. Dois-je pardonner à l'autre, même des grosses injustices et des horreurs? Voici une tentative de réponse. Mon frère, ma sœur, la réponse à ta question se trouve dans le verset 92, par exemple, de la sourate Yusuf, Joseph. Par exemple, donc il dit, c'est ce Yusuf qui se parle, donc on entra dans le Coran, il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. D'accord ? Donc il dit, donc ça c'est le Coran, il dit, pas de récrimination, la tathriba alaykum al-yawm. Donc il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. À noter que, donc c'est Youssouf qui parlait à ses frères. Donc à noter que les frères de Youssouf ont essayé de le tuer, et ils étaient la cause de sa séparation de 40 ans avec son père, le prophète Yaqub, le prophète Jacob. Dans le Coran, Allah nous demande de pardonner et de pardonner, en insistant sur ce qu'il réserve à ceux qui pardonnent. Dans la Sunna, tu peux trouver des trésors infinis autour du pardon. Voilà l'article que j'avais posté et lancé la recherche autour de cet attribut, d'être pardonneur, de pardonner aux gens. La question ne doit même pas se poser en commençant par « dois-je ? Est-ce que je dois ?» Car le pardon n'est pas qu'une simple obligation. Pardonneur, c'est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le pardon est la traduction la plus parfaite du comportement de notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous tous de tout ce qu'il a subi des Quraishites, des Ahlul Ta'if, qui l'ont tapé, qui l'ont frappé, qui ont envoyé des fous, des enfants derrière lui pour le taper par le... lui tirer des pierres, le taper avec des pierres, jusqu'à ce que son pied a été ensanglanté. Et malgré ça, il a pardonné. Donc le pardon est la traduction même la plus parfaite du comportement de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé avait dépassé l'excellence dans le pardon. Le pardon est le comportement des prophètes d'Allah. Le pardon est une élévation de l'âme humaine. Le pardon est une école des comportements humbles. Le pardon est le comportement des pieux. Le pardon est le miroir de la pureté de l'âme. Et le niveau le plus élevé du pardon, c'est justement quand il répond à des injustices insoutenables, en parenthèse comme celle que tu cites dans ton mail. Plus tu t'approcheras d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu décrocheras les meilleurs diplômes des comportements coraniques et prophétiques. Et plus tu décroches ces diplômes, plus Allah t'aime, plus tu seras proche dans le paradis de notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras proche. Le plus proche dans le paradis, dans notre bien-aimé Mohammed, plus tu obtiendras le respect humble de toi-même, plus les humains t'aimeront et te respecteront, plus la totalité des créatures d'Allah t'aimeront et te respecteront, plus tu goûteras à l'apaisement ultime. À nous de faire le nécessaire très rapidement pour nous inscrire dans l'école des comportements de l'excellence. La connaissez-vous cette école? C'est l'école coranique de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les diplômes de cette école de l'excellence sont connus et reconnus dans le bas monde et dans l'au-delà. Cette réponse n'est qu'un atome dans un océan de mérite du pardon. Voilà. Donc c'est vrai que le pardon, ça fait que de toi un délice sur terre. C'est vrai que c'est dur de pardonner. Mais Wallah al-Azim, lance-toi dans cette école, commence à essayer, à lister tout ce qu'il faut pour que tu mettes les pieds dans cette école. Donc vous savez, quand on veut s'inscrire dans une école, universitaire ou ingénieur ou n'importe quel type de formation, tu as des documents à fournir. Lance-toi, Inch'Allah, pour trouver ce qu'il faut
pour que tu mets les pieds, pour que tu arrives à mettre les pieds dans cette école. L'école de pardon. Après, il y a des choses que tu peux ne pas pardonner. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour du jour dernier, tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va juger tous ceux qui t'ont fait de l'injustice. Mais entame quand même le chemin du pardon. Dans toutes les choses de la vie, finalement. Plus tu pardonnes, plus tu t'élèves vers des niveaux, subhanallah, insoupçonnés de bonheur et d'apaisement du cœur. Donc, teste, mon frère. Donc là, c'est de la pure théorie pour toi. Mais moi, je t'invite à commencer à pardonner. Un sourire qui t'a fait mal, un sourire qui a essayé de te prendre pour un imbécile, à ton père qui a négligé ton éducation, pardonne-lui comme un. À ta mère, à ton frère, à ci, à ça, réponds toujours par le pardon. Il y a une anecdote qui arrive à l'imam Abu Hanifa. Wa ma adraka ma l'imam Abu Hanifa, Cheikh al-A'zam, l'imam Abu Hanifa, le fondateur de l'école Hanafite, le madhab al-Hanafi. Le premier, donc, il y a eu, le premier, c'est l'imam Abu Hanifa des quatre madhahib. Un jour, il y a un qui l'a suivi sur un trajet entre une ville et une ville. Tout au long du trajet, il l'insultait. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne lui a pas dit. Mais vraiment des insultes que tu ne peux pas oser à dire à peut-être un chien. Même le chien, vous savez. Même un animal, tu ne peux pas lui dire ça. Donc, il n'a pas arrêté tout le trajet. Et à un moment donné, l'imam Abu Hanifa, quand il a vu qu'il s'est rapproché de l'Basra, de la ville où il habitait, et il s'est tourné vers celui qui l'a insulté et il lui a dit, est-ce qu'il te reste encore des insultes? Parce que, comme ça tu les finis, je t'attends comme ça, tu les finis, parce que si tu me suis dans ma ville et tu continues à les faire, mon qaum, ma tribu qui m'aime beaucoup, vont venir te tuer. Ils ne vont pas supporter toutes les insultes que tu fais. Donc ils vont, la moindre des choses qu'ils vont faire, c'est que tu tuer. Donc, pour t'éviter la mort, pour t'éviter des problèmes, je t'attends ici, je me mets ici, est-ce que tu as des choses encore à rajouter? Regarde, là, c'est phénoménal, ce type de comportement. Un des petits-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un qui s'appelait Al-Hassan, c'est pas Al-Hassan al-Hussein que vous connaissez, c'est peut-être leur petit-fils. Un qui s'appelle Hassan, l'autre qui s'appelle Hussein. Il y a un qui est venu devant les gens, imagine quand quelqu'un t'insulte devant les gens, et lui avait sorti beaucoup de choses mauvaises. Donc, il l'a insulté devant les gens. Celui qui a été insulté, il part, il rentre chez lui, et il vient le lendemain ou l'après-midi ou à un moment donné, et il vient, il toque, il vient chez son cousin et il lui dit, si tout ce que tu as dit, toutes les insultes que tu as dit contre moi, devant des gens en plus, sont vraies, qu'Allah me pardonne. S'ils sont en moi, qu'Allah me pardonne. Mais s'ils ne sont pas en moi, qu'Allah te pardonne. Et il s'est tourné. À ce moment-là, celui qui a insulté, il l'a pris par derrière, il lui a fait un câlin par derrière, et il a commencé à pleurer. Regardez, ça, ces comportements-là, on les a délaissés. Ça, c'est le musulman. Pour les non-musulmans qui voient aujourd'hui des choses qui se prennent pour des musulmans et qui ravagent et qui tuent et qui brûlent et qui brûlent des véhicules, on ne va pas se mentir, il y a quelques-uns qui font ça. Croyez-moi que ça ce n'est pas ça l'islam du tout. Ça n'a rien à voir avec le strict minimum des comportements des musulmans. D'accord? Donc, ce sont des comportements. Ce sont des choses que nous avons délaissées petit à petit, que nous devons installer en nous. Le pardon, avoir un cœur qui ne veut pas le mal pour les autres. Avoir un cœur qui comprend parfois les maladresses des autres, qui comprend parfois la situation des autres, qui comprend parfois ce qui a poussé l'autre à être dur avec toi, à faire une injustice envers toi. Voilà. Donc apprenons à nous-mêmes, à nos nefs, de pardonner. Vraiment, ça paraît de la pure théorie ce que je te dis. Mais mets les pas dans la pratique, juste des balbutiements, des débuts de la pratique, du manque de pardon, du manque de bon comportement, du manque des nobles caractères. Mets le pas et tu vas voir que plus tu fais des pas, plus tu décroches des diplômes, subhanallah, plus ton cœur devient apaisé, plus tu deviens un délice, plus tu obtiens un respect phénoménal des gens, plus tu obtiens surtout l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu deviens un délice sur terre, un vrai délice. Quelqu'un, ya'manu nas sharrak. Les gens n'ont plus peur de toi, parce qu'ils vont petit à petit faire confiance en ton bon comportement, en tes nobles caractères. Allahumma akhlis niyatina, Allahumma aslihna, Allahumma ruddana ilayka raddan jamila, Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.